Le plus grand parmi vous doit être comme le plus petit. Et celui qui commande comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Or, je suis au milieu de vous comme un serviteur. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon Père me l'a confié. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Il n'y a donc pas de traître. Simon, Simon, écoute. Satan vous réclame pour vous éprouver tous. Pour séparer le bon du mauvais, tel le fermier qui sépare le grain de la paille. Mais j'ai prié, Simon, pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Maître, avec toi je suis prêt à aller en prison, et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, qu'est-ce qui vous manquait? Rien. Non, rien. Mais maintenant, si vous en avez, il faut les prendre. Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour s'en acheter une. Car je vous le dis, il est écrit à mon sujet, il a été mis au nombre des criminels. Et tout ce qui me concerne va être accompli. Maître, regarde, j'ai là 2 épées. Ça suffit.